Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Bonjour Fabrice, bonjour Pili. Merci d'être présent pour ce troisième webinaire 9e art, le 9e art à Taïwan. Aujourd'hui, il va être question de la création des auteurs taïwanais et des institutions françaises. Donc, pour en parler, Fabrice Douar, tu es directeur de collection au Musée du Louvre. Et le Musée du Louvre, depuis plus de 10 ans, voire même plus de 15 ans maintenant, s'intéresse à la bande dessinée. Peux-tu nous en parler rapidement? Bonjour à tous. Oui, ben, écoute, c'est en 2003 que j'avais eu l'idée justement d'associer le monde de la bande dessinée au monde des musées. Et à force de conviction, je vais dire, j'ai réussi à faire rentrer la bande dessinée au Musée du Louvre. Et en ayant l'idée de donner des cartes blanches à des auteurs de bande dessinée, avec une publication annuelle d'un auteur, lui demandant un scénario, donc quelque chose de scénarisé, une bande dessinée de son univers, mais qui intégrerait, qui engloberait des éléments du Louvre. Alors ça pouvait être une œuvre, une salle, le public, au choix, et en faire une vraie fiction. Voilà, donc on a commencé avec Nicolas de Crécy, Période glaciaire, qui a reçu un très bon accueil dès sa sortie. Et puis, voilà, année après année, on a continué à raison de 1, voire 2, parfois, albums par an. Et on en est maintenant, au bout de 15 ans, à une vingtaine de titres, toujours coédités avec Futuropolis. Et on a élargi ensuite, avec les années également, le fait de passer de la bande dessinée franco-belge au manga. Donc, j'ai commencé à aller voir des artistes taïwanais, des artistes japonais, hongkongais, coréens. Et voilà, au fur et à mesure, la collection s'étoffe comme ça, jusqu'au moment où on ira aussi voir du côté des États-Unis pour faire rentrer des auteurs de comics. Merci Fabrice. Pili, tu diriges la Maison des auteurs d'Angoulême, une maison blanche accrochée à la colline. Nous avons ici un documentaire sur ta maison et sur les auteurs taïwanais. C'est un documentaire de Yichu Lin et je propose de le regarder tout de suite. La Maison des auteurs, c'est un lieu qui est situé à Angoulême et qui reçoit des créateurs du monde entier pour réaliser des résidences autour de la bande dessinée et du cinéma d'animation. La Maison des auteurs fait partie de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image dans le cadre du soutien à la création qui est porté et qui est donné aux auteurs. La Maison des auteurs a ouvert ses portes en juillet 2002, donc ça fait 18 ans qu'on accueille les auteurs. Il n'y a pas du tout de limitation dans l'âge. Le plus important, c'est le projet qu'on va développer. Les ateliers sont tous équipés d'une table à dessin, d'un plan informatique avec ordinateur, de scan, et sont équipés d'une table lumineuse qui est à la disposition des différents auteurs de l'atelier. Là, il peut y avoir 2 ou 3 auteurs. Ça permet aussi d'étaler tout son travail sur cette grande table. Certains auteurs peuvent faire leur propre fanzine chez nous, l'imprimer. C'est très utile, notamment pour faire des dossiers auprès des éditeurs, pour montrer leur travail au moment du festival avant publication. Les auteurs internationaux viennent déjà pour la place qu'occupe la France dans le milieu de la bande dessinée. C'est un des 3 pays les plus engagés, les plus producteurs au monde. Et puis c'est le pays où il y a le grand festival de bande dessinée d'Angoulême. Alors depuis 2015, nous avons eu la chance d'initier un partenariat avec le Centre culturel de Taïwan à Paris qui nous a permis en fait d'accueillir 2 auteurs par an. Donc là, nous allons démarrer la 6e édition. 在我看到大家都有原稿的状态的时候，回来要进行我自己的漫画的时候，我就会确定说我要用手绘的，我要有原稿。 C'est un environnement très moderne, mais on sait qu'on est à Taïwan, hein, donc il y a des très belles compositions, c'est très géométrique, mais il y a aussi un travail très construit et très lâché, des techniques différentes. Alors Mister Hao, oui, a fait un livre qui s'appelle « Bonjour Angoulême » et donc Mister Hao raconte son séjour à Angoulême, de son départ où sa femme s'inquiète justement de ce qu'il va pouvoir manger, à son arrivée à la gare. Il parle très bien de son arrivée. Là, on est en train de lui expliquer où il peut aller acheter du pain, parce que là, il veut acheter du pain. Alors depuis maintenant 5 ans, nous avons donc reçu 10 auteurs taïwanais qui viendront pendant une période très spécifique de décembre à fin février, car il nous semblait important aussi bien côté taïwanais que côté français, d'accueillir ces auteurs à un moment fort de l'année qui est juste avant, pendant et après le Festival de la bande dessinée. Et à peine arrivés, on leur parle évidemment de l'exposition de la Maison des auteurs dans laquelle on présente tous les projets. Les auteurs taïwanais qu'on a eu la chance de recevoir sont des artistes qui sont connectés vraiment au niveau international. Donc c'est un partenariat très intéressant puisque il y a tout d'abord un travail de sélection que nous faisons en commun et on voit à chaque fois une grande diversité, une grande richesse, toujours. Bien, merci à Yichu Lin pour ce documentaire qui nous a bien présenté la Maison des auteurs. J'en profite après, puisque nous sommes dans un moment de transition, si vous avez des questions à nous faire parvenir, nous les évoquerons à la fin de cette rencontre. Donc nous avons vu la Maison des auteurs. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce livre, Les Rêveurs du Louvre? Oui, en fait, c'était lors d'un de mes voyages en Asie. Je suis passé par Taïwan et j'ai rencontré Madame Limon-Li, qui était la directrice à l'époque du Montjuïc Museum, parce qu'à cette occasion, elle souhaitait pour une exposition emprunter des dessins de Michel-Ange au Musée du Louvre. Et on a échangé et lors de cet entretien, je lui ai exposé le projet que j'avais depuis quelques années déjà de bande dessinée. On avait déjà fait une première exposition au Louvre qui s'appelait le Petit Dessin. Et ce projet l'avait intéressé puisque ça partait du dessin. Et on est tout de suite convenu de trouver un moyen d'exposer ce projet dans son musée et d'en faire une sorte de point relais ou de pont, de tête de pont, afin d'y inviter les artistes taïwanais de bande dessinée, ils sont nombreux, à participer à cette exposition. Donc d'un côté, il y avait la partie un peu, je vais dire, historique, ou en tout cas de l'exposition des planches originales des auteurs de BD franco-belges, et une partie dédiée aux auteurs taïwanais qui avaient souhaité s'intégrer comme ça dans cette exposition. Et on avait 7 ou 8 auteurs taïwanais qu'on a réussi à exposer, que j'ai rencontrés en venant plusieurs fois à Taïwan, à Taipei, et en leur demandant justement de créer une sorte de fiction, un peu imaginaire, dans le sens d'une visite imaginaire, donc du Louvre à partir de Taïwan. Et donc, c'est ce qu'ils se sont pliés à cette demande, et ils ont tous travaillé pendant un an, et ils ont réaliser ce travail. À partir de là, cette exposition a eu un énorme succès et donc on est allé au Japon et j'ai fait la même chose au Japon avec des auteurs, des mangaka japonais et du coup, vu la qualité du travail fourni, hein, autant par les Taïwanais que par les Japonais, avec notre coéditeur Sébastien Médic des éditions Futuropolis, on s'est dit mais pourquoi pas garder une trace, garder une mémoire de ce travail et donc de publier sous la forme d'un collectif toutes les mini-histoires réalisées. Voilà. C'était une exposition d'ampleur, hein, apparemment, d'après les que tu nous as fait parvenir. Oui, on a occupé toutes les salles, tout l'espace du Montjuïc Museum, qui est sur 3 niveaux quand même, avec une scénographie originale et vraiment extraordinaire, pensée par Marc-Antoine Mathieu et son atelier qui s'appelle Lucie Lhomme. Donc il a imaginé tout un cheminement de plateaux qui sont reliés les uns aux autres, on le voit là au sol, comme un rouleau justement un rouleau asiatique qui se déroulerait à l'infini, d'une salle à l'autre, d'un étage à un autre, avec justement, parce que c'est aussi toute la difficulté de l'exposition de planches de bande dessinée, avec donc des plateaux qui permettent d'exposer les planches souvent en diptyque, au moins on a la double page, ou par séquence, sur 4, 5, 6 pages associées les unes à côté des autres, sur un grand plateau, avec évidemment des reproductions sur des voiles ou sur des simèzes, et parfois les dessins préparatoires à ces planches, eux, étaient en opposition, si je puis dire, étaient posés sur les simèzes, comme une exposition simple d'un dessin de n'importe quel artiste actuel ou du temps passé. Et comme ça, on avait ce jeu entre le dessin préparatoire qui devenait une œuvre d'art, entre guillemets, qu'on mettait sur les simèzes, et la bande dessinée séquentielle, narrative, qui, elle, était sur les plateaux et qu'on pouvait suivre comme ça tout le long des salles et des étages du musée. Pili, tout à l'heure, dans le documentaire, il a été beaucoup question de Monsieur Hao Yaoxing, que nous avons évoqué avec Paul Gravette également hier, qui a été le premier résident taïwanais à la Maison des auteurs et qui serait l'équivalent un peu d'un Uderzo, enfin le créateur le plus populaire de bande dessinée à Taïwan. Oui, la première année, nous avons accueilli Mr. Hao et Emmie Keman, donc à la fois un personnage emblématique de la bande dessinée, un auteur emblématique, Emmie Keman, qui est la jeune génération. Pour nous, ce qui était vraiment intéressant, c'est l'ouverture. On avait également un musée qui évidemment n'est pas le Louvre, mais qui est le musée de la bande dessinée, donc où les auteurs avaient accès à des visites privées, découverte des planches, la bibliothèque de la bande dessinée, la question du festival, hein, puisque les gens arrivent au moment du festival, et puis la vie quotidienne dans une résidence, donc avec la Maison des auteurs. Et c'est vrai que Mr. Hao a joué un rôle moteur durant les 4 mois, puisqu'il est venu 4 mois de son séjour, puisqu'il a su fédérer autour de lui toute une génération de jeunes créateurs internationaux à travers des repas pantagruéliques où il était aussi bien question de cuisine taïwanaise que mexicaine, croate, européenne, française, mais où il était aussi beaucoup question de dessin, puisque c'était des rencontres très joyeuses où les gens ont beaucoup dessiné, échangé. Donc sa venue était très, très forte pour nous. D'abord, c'est la première résidence qu'on faisait avec Taïwan. Et puis, il a su, comme personne, s'adapter. C'est quelqu'un, comme tous les résidents taïwanais, qui ont profité de leur séjour pour aller voir ce qui se passait aussi en France autour de la bande dessinée. Donc, ils sont allés au SoBD, ils ont visité plein de librairies alternatives. Tous les Taïwanais qui sont venus, tant qu'il y a eu les 24 heures de la bande dessinée, donc ils sont une performance graphique, on doit faire une bande dessinée de 24 pages en 24 heures, donc tous les auteurs taïwanais y ont participé, au point que Mr. Hao a demandé à faire une édition qui a été faite d'ailleurs, franco-taïwanaise quelques années plus tard, l'année suivante de sa venue. Donc c'était une résidence importante parce qu'elle nous a donné un petit peu, elle a mis le curseur très haut dès le départ Et elle a montré effectivement que les auteurs taïwanais avaient une capacité à vraiment s'intégrer et aller très vite chercher des informations et aller très vite voir tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et ça, c'était gagnant pour nous, quoi. On s'est dit, c'est des résidences qui vont très bien fonctionner. Comment est-ce que ces auteurs sont sélectionnés, les auteurs taïwanais? Alors, ils sont choisis sur projet. Comme tous les autres auteurs qui viennent à la Maison des auteurs, c'est leur projet de départ qu'on souhaite accompagner. Et le choix est fait conjointement par nos collègues de Taïwan, du ministère de la Culture, et par le comité d'agrément de la Maison des auteurs, qui est composé, lui, uniquement d'auteurs. Et donc, c'est un travail en deux parties. La première, Taïwan lance l'appel à projet et reçoit toutes les candidatures, fait une présélection de 5 candidats qu'ils nous adressent et nous, on choisit 2 lauréats parmi les 5. C'est une façon de travailler intéressante, d'abord parce qu'elle nous permet vraiment de travailler en amont avec nos collègues de Taïwan. Et puis, par ailleurs, ça donne une visibilité de la création. Tous les ans, nous voyons 5 dossiers arriver. Au bout de quelques années, ben, ça fait beaucoup de projets. Donc, ça donne un peu, ça nous permet aussi de prendre le pouls de ce qui se fait à Taïwan, des jeunes entrants dans la profession. Et nos collègues de Taïwan, encore plus important pour eux, puisqu'ils reçoivent la totalité des demandes. Fabrice, donc tu disais que suite à l'exposition, des dessinateurs taïwanais sont venus au Louvre pour réaliser leur histoire. Comment ça se passe? Ça a été un groupe qui a fait une visite éclair ou ça a été une résidence un peu plus poussée? C'est un peu entre les deux, on va dire. Ils sont venus en groupe où j'ai réussi à comme ça, faire une sorte de visite pour ce groupe privé un mardi, lorsque les salles sont fermées au public. Et donc, on a pu ainsi déambuler librement dans les salles, s'arrêter devant des œuvres, en parler. Ils étaient assez fascinés d'ailleurs de ce contact avec l'art occidental. Donc, ils se sont vraiment… Je voyais bien, ils s'approchaient des tableaux, des sculptures, ils regardaient, ils prenaient beaucoup de photos. Ils étaient un peu comme des enfants dans un magasin de jouets, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils regardaient partout. Ils étaient assez fascinés par ce qu'ils voyaient. Et certains des auteurs, eux, ont pu rester un peu plus longtemps. Donc la résidence, là, du coup, s'est prolongée. Et quelques jours par semaine, enfin, sur 2 ou 3 semaines maximum, hein, ils n'ont pas pu rester plus longtemps, on s'organisait comme ça des rendez-vous alors dans le musée pour continuer à voir les salles, mais aussi à l'extérieur pour parler. Évidemment, ça passait aussi beaucoup par la nourriture, hein, notamment à Taïwan, c'est très important. Donc, on allait au restaurant, on déjeunait, on dînait, on discutait. Et voilà, et ils avaient toujours beaucoup de questions. J'essayais d'y répondre, parfois de leur faire rencontrer des conservateurs ou des personnes plus à même de donner les réponses, parfois très techniques qu'ils demandaient. Et ensuite, à partir de là… ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé à travailler. Puis là, il y a eu un échange entre leur éditeur, qui est Ar Wang, de Tala Publishing, et moi-même. On avait des premières planches et on pouvait comme ça faire le work in progress avec eux, mais à distance. On est assez surpris par leur humour. Oui. les quatre auteurs présents, en tout cas, surtout 3 d'entre eux, font preuve de beaucoup d'humour et de dérision. Ce qui n'est oui. pas forcément le cas des 4 Japonais qui apparaissent également dans le livre. C'est vrai, c'est peut-être culturel dans ce cas-là, hein, j'ai envie de dire, mais l'idée de toute façon de cette collection de bande dessinée du Louvre, mais de cette invitation hein, portée à ces auteurs, était justement de les laisser libres. C'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte blanche qu'on leur offre. Et il était pour moi hors de question de leur demander de rentrer dans un carcan, soit de sérieux, soit de pédagogique, soit je ne sais pas encore. Mais au contraire, qu'ils expriment librement leur sensibilité, leur façon d'être, leur façon de voir les choses, leur façon artistique. Et leur univers devait venir ainsi se confronter à celui du Louvre, alors qui peut être massif, hein, je l'entends bien, qui peut être un peu impressionnant quand on arrive peut-être pour la première fois dans ce musée, on ne sait pas par où aller, et quel objet, quelle œuvre aller voir. Et là, ce vent de liberté, peut-être au moment où ils sont venus dans les salles fermées, leur a permis peut-être de prendre plus de recul, et je pense aussi c'est culturel, hein, les Taïwanais aiment beaucoup aussi rire, aiment bien plaisanter, et donc je pense que ça se ressent dans cette publication, contrairement aux Japonais où peut-être par culture aussi il y a un respect un peu plus grand, on n'ose peut-être pas davantage titiller comme ça l'institution, et donc ils ont travaillé chacun, en tout cas chaque auteur à sa façon, voilà, il n'y a pas eu de censure ni rien, et mais c'est vrai parce qu'on n'a pas publié tous les auteurs taïwanais qui avaient participé à ce projet. 61 Chi faisait partie également des auteurs, des autrices qui ont participé. Et elle aussi, dont on a vu une planche tout à l'heure, oui. C'est ça, c'est pour ça que j'en parle. Elle avait complètement détourné aussi les trois icônes du Louvre, hein, qui sont Mona Lisa, la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo, et qu'on avait fait des filles de notre époque, qui font beaucoup de selfies, sont très... comment dire, très attachés à leur apparence, etc. etc. Donc voilà, il y avait beaucoup de plaisanteries, beaucoup de contre-pieds. C'était très intéressant de travailler avec ces auteurs. Pili, j'ai regroupé ici trois anciennes autrices et auteurs taïwanais en résidence à Angoulême, qui chacun vont ou ont été publiés en français. 3 sur 10, c'est une satisfaction? Bien sûr que c'est une satisfaction. Et ce qui nous a, enfin d'emblée, par exemple, quand on a vu le travail de Peng Shu, on s'est tout de suite dit ça peut intéresser un éditeur français. Donc, l'exposition qu'on fait de la Maison des auteurs tous les ans, où on présente les projets qui ont été soutenus, nous permet d'accueillir des éditeurs. Et évidemment, les éditeurs qui sont passés ont tout de suite accroché à son travail, et il a eu des rendez-vous, ce qui était pour nous vraiment important. Il y a une poésie très souvent dans les travaux qui sont développés dans ces trois auteurs que vous mettez à l'honneur. Pour nous, il y a vraiment quelque chose de très fort, de très sensible, qui à la fois croise des choses qui sont très proches aussi des courants les plus novateurs en Europe et ailleurs dans le monde. Et puis à la fois, il y a une poésie il y a un léger pas de côté qui fait évidemment qu'il y a quelque chose d'étrange et qui nous intéresse bigrement. Et ça, je pense que c'est ces raisons-là qui ont fait que les éditeurs ont tout de suite vu tout le potentiel qu'il peut y avoir. Et beaucoup d'autres projets qu'on a vu passer, à mon avis, seront édités, peut-être pas ces livres-là, mais en tout cas, c'est des auteurs à suivre, car ils sont tous assez jeunes, hein, les auteurs qui viennent. Donc, je pense qu'on les reverra sur la scène française et internationale dans les années à venir, ça c'est sûr. Alors, à tous les deux, une question, au-delà du plaisir de réaliser ces opérations, est-ce que cela vous a inspiré de nouvelles voies? Est-ce que pour la Maison des auteurs, il y aura des suites? Peut-être pas en 2020-2021, mais on espère l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des lendemains? Ben, je ne sais pas, Pili, si tu veux commencer. Nous, on a un partenariat qu'on signe tous les 2 ans. Donc, il y a une vraie volonté aussi bien de la part de Taïwan que d'Angoulême de continuer. Et puis, c'est vrai que Taïwan est très, très présent sur la scène internationale. Hein. Moi, ça m'arrive d'aller dans des festivals ailleurs. J'ai rencontré d'anciens résidents à la file, hein, la seconde foire au monde, donc au Mexique, à Guadalajara, au pavillon Taïwan, qui était formidable, qui accueillait plein d'auteurs également. Donc, voilà, il y a cette volonté aussi du côté taïwanais de continuer à tisser des liens partout. Et ça, c'est vraiment fantastique. Quand vous allez à l'autre bout du monde et que vous retrouvez des résidents qui retrouvent des résidents mexicains qui sont passés, qui retrouvent des résidents de pays, il y a vraiment un lien, il y a vraiment une forme de construire sur la scène mondiale. Et une Et elle est importante parce que c'est Angoulême, mais voilà, on est avec d'autres et puis on fait partie de cet ensemble et ça, c'est très présent. De mon côté, c'est tout d'abord un projet éditorial que je mène. Hein, donc, J'ai voulu, après, comme je le disais tout à l'heure, ouvrir au monde asiatique, à l'art asiatique, cette collection. Donc, j'avais commencé avec Taïwan, puis le Japon, mais ensuite, j'ai travaillé avec un auteur de Hong Kong, qui a sorti, Lichitak, qui a sorti un album cette année avec nous, qui s'appelle Moon of the Moon. J'ai des contacts avec un auteur coréen qui devrait aussi faire une bande dessinée avec nous, qui s'appelle Kim Jung-gi. Voilà, on a comme ça des contacts et, comme je le disais, évidemment, ouvrir sur les États-Unis la bande dessinée américaine. Mais, par exemple, l'année dernière, j'ai participé au premier festival de bande dessinée à Taipei, organisé toujours par Tala Publishing. C'était intéressant de renouer contact, de retrouver, même de trouver de nouveaux auteurs. Et voilà, les liens continuent de se tisser, continuent de s'enrichir. Et puis, à terme, on verra bien si on arrive encore à publier des auteurs de Taïwan. Alors, une question de Norbert Danis. Le documentaire sur la Maison des auteurs évoquait le livre de Monsieur Hao sur sa résidence à Angoulême. D'autres artistes en résidence ont également relaté leur expérience, comme Pam Pam Liu, comme Rui Yifang. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une sorte de passage oblige, une tradition qui se serait instituée? En fait, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on demande. Même pour être tout à fait honnête, on n'aime pas beaucoup cette idée forcément de venir faire un livre sur Angoulême ou sur la France, etc. Mais en fait, beaucoup d'auteurs ont envie de faire. Donc même à côté de leur album, on voit beaucoup de choses sur Angoulême. Mais c'est un peu normal, c'est une sorte de journal de bord à côté. Donc il y a la résidence et puis il y a où on travaille sur son projet. Puis il y a ce journal de bord qui… Bah évidemment, on est un pays très exotique, enfin, c'est évident pour nous. Dès qu'on fait un pas de côté, on s'en rend compte. Et il y a un désir, en fait, chez ces auteurs, mais c'est arrivé avec beaucoup d'autres pays, ce qui nous étonne toujours un peu. Mais bon, après, c'est amusant pour nous de voir aussi. C'est un miroir grossissant aussi de ce qu'on est, de ce qu'on donne, de ce qu'on transmet, de nos limites aussi, hein. Il y a des choses très drôles aussi de ce côté-là. Donc, voilà, ce n'est pas un passage obligé, c'est chacun fait comme il veut. Bien, merci à vous deux. À chaque webinaire, on a un petit cadeau pour un visio ou une visio téléspectateur-spectatrice. Évidemment, aujourd'hui, il s'agit des rêveurs du Louvre. Donc, le 7e courriel que nous recevrons à l'adresse 9ar.taiwan@gmail.com recevra ce magnifique livre-objet entre la France, le Japon et Taïwan. Merci de votre présence, merci Pili, merci Fabrice. Merci. Je remercie également l'ambassade, le Centre culturel de Taïwan, Margot Lin et Monsieur Wang, pour leur assistance. On se retrouve demain, même lieu, je dirais, même heure, autour des divertissements et des découvertes avec un invité surprise, Camille Mercier des éditions Nazca, qui n'était pas prévu au programme initialement, Frédéric Fourreau des éditions Patayot et Timothy Guédon des éditions Cana. Merci à toutes et tous et à demain. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Voilà.